Bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Melrasso TV. Aujourd'hui, je suis avec Caro, comme beaucoup de vidéos, et on va vous présenter donc une nouvelle voiture, la magnifique Mini Cooper S. On vous dit à tout de suite pour le test et la présentation. C'est parti! Alors voilà, cette voiture est une Mini, donc Mini, petit historique. C'est un constructeur automobile britannique qui a été fondé à Oxford en 1969 par Alec Isigoni. Cette voiture à ma droite est une Mini Cooper S, donc le S veut dire tout simplement que c'est la version sportive. Cette voiture fait partie de la première génération, mais c'est la phase 2, donc elle a été produite en 2010. Voilà! Oh, qu'il est beau! C'est très beau avec le logo Mini au milieu. Présentation du moteur de la Mini Cooper S. Donc, il s'agit là d'un moteur de 4 cylindres de 1,6 litres. C'est un moteur avec injection directe et turbo. Il y a exactement 1598 cm3 de cylindrée. Cette voiture, donc, il y a 178 chevaux maximum au régime de 5500 tours par minute. Elle a un couple de 254 Nm au régime de 1800 tours par minute. Donc pour information, c'est une voiture à traction. Un peu comme la Mustang précédemment, il y a deux possibilités. Soit c'est une voiture à boîte manuelle à 6 rapports, soit boîte automatique, et cette fois-ci boîte automatique Steptronic. Cette voiture va grand maximum jusqu'à 225 km à heure. De 0 à 100, elle les atteint en 7 secondes. Sa consommation, elle consomme 8,80 litres tous les 100 km. Et au niveau du dioxyde de carbone, 136 grammes par kilomètre. Ok, ressenti extérieur, donc la Mini Cooper S. Alors c'est une trois portes, de toute façon ça se voit bien, je la trouve très belle. Donc là le capot qui est un peu plus grand, parce que c'est quand même une voiture compacte, hein, qui est assez petite. Bon, on affichera encore les dimensions au montage vidéo, mais c'est vrai que le capot est assez spacieux finalement. Donc là il y a une aération, ça fait un peu l'aspect sportif ça. Oui. Vraiment, ça fait l'aération, l'aérodynamisme qui a été... Exactement. Et en plus, ça va très bien avec la Mini. Le petit logo, j'adore ce logo, il est très mignon, on dirait des petites ailes. Alors la calandre, elle est en deux parties du coup. Ça fait assez joli. En fait, ça fait un aspect, je dirais un peu agressif, non? Je pense qu'il serait intéressant de comparer celle-ci, qui est d'une version donc sportive, à une version non sportive, pour voir si elles ont... le même avant, et je pense que non. Ça, je sais que les non-sportifs ne l'ont pas.
Ici, il y a quand même une petite partie en plastique là qui suit le tour là-bas. C'est le bas de caisse. Qui rappelle la Sandero Stepway. Effectivement. Alors ça, je sais plus si c'est d'origine ou si c'est le propriétaire qui l'a ajouté. Je sais plus ce qu'il avait dit. Je crois que c'est d'origine, il a juste dû le racoler parce qu'il était... Je trouve que ça fait un effet assez spécial. Le cadreur se voit dans le rétroviseur, bah, c'est fait pour, mais pas dans ce sens-là normalement. Mais du coup voilà, ça le fait bien, je trouve. Ça fait un style gris, noir, argenté. Oui. Par contre, on peut pas ouvrir la porte, il faut vraiment appuyer. C'est ça en fait, c'est une poignée qui s'ouvre pas ici en fait. Il faut appuyer. Il y a un bouton et regardez-moi ça, c'est la première fois que je vois ça. Après, en même temps, je teste au fur et à mesure des voitures. Quand on ferme la porte, la fenêtre se remet en place. C'est trop bien. Cet automatisme, c'est une voiture bien automatique. Ouais. Et ceci qui rappelle effectivement que c'est une voiture sportive. Il y a d'ailleurs de la place... Coucou. On peut passer la main. Alors effectivement, dans les nouvelles Mini Cooper, il y a le drapeau anglais. C'est dommage que c'est pas le cas sur cette version-là. C'est vrai. Et il y a le petit logo quand même qui apparaît à l'intérieur des feux. Histoire de faire penser aux gens que c'est bien une Mini Cooper, hein, même si c'est indiqué là, sur les roues, à l'avant, partout. Et vous savez quoi? On va ouvrir le coffre. Hop! Voilà, tout automatisé, ça c'est bien. Vous vous souvenez de la tête du coffre de la Suzuki Swift? Là, vous faites la moitié du coffre de la Suzuki Swift. Autrement dit, un bagage. Vous partez en vacances, mais à une personne. C'est tout! Un chihuahua, ça passe. Un cavalier King Charles. Oui. Parfait. Faut pas qu'il soit obèse, sinon ça passe pas non plus. Non mais sans déconner, le coffre est un peu petit quand même. J'avoue que tu peux aller où tu veux avec, mais pas en vacances. Moi je vous dis, on va ouvrir le toit. Ouais. Ah, ok. Bon bah c'est terminé. Attends. Encore un cran. Bah en fait, il y a que devant qui s'ouvre. Mais par contre, si tu laisses les deux fermés, tu peux quand même ouvrir cette arrière-là et cette arrière-là. Donc c'est pas mal. Alors voilà, petit test de la Mini Cooper S avec Caro. Et coucou. Alors voilà, Mini Cooper S, comment dire, on va la tester. Donc là, c'est moi qui vais la conduire là maintenant. Après, Caro va la conduire. Donc le volant, voilà, qui est en plastique, les boutons en plastique. Voilà la clé. Voilà la clé. J'ai jamais vu ça, c'est la première fois que je vois ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre... Ok, faut faire un petit clic. Ça y est. Donc voilà, ici. Elle nous dit bonjour. Ah oui, non, mais la voiture m'engueule H24. Elle fait que biper. On voit les kilomètres ici, mais on les voit ici aussi. Alors, heureusement que c'est au milieu parce que je trouve ça pas pratique de regarder à droite. Tu vois où les kilomètres? Ah, les kilomètres par heure. Ok, d'accord. Tout ça. Ça, c'est tellement classe. Ça, c'est la radio. Je ne sais pas comment on s'occupe de la radio. Et l'essence, donc là, elle est pleine. Bah si, je crois que c'est ça l'autoradio. Bah alors c'est vraiment tout plastique, hein. Voilà, et ici, donc ici c'est sympa, donc t'as les boutons à gauche pour les fenêtres, les feux de brouillard, donc là le levier de vitesse, donc t'as le point mort, marche arrière, le neutral, le neutre, le D, et si on met donc le levier de vitesse à l'arrière et qu'on met sur la gauche, eh bien ça met en mode manuel et du coup on peut utiliser les palettes au volant. Donc ici avant, arrière, on peut rétrograder aussi sur la même palette même s'il y en a deux. Donc ça c'est pas mal. Les micro poignées de porte qui sont très mignonnes je trouve. Par contre ça c'est un peu gros je trouve. Alors toujours ma cause d'honneur. Le contour il est un peu épais. Bah ça cache un peu parce que la voiture a un petit pare-brise et un gros... on voit bien l'arrière hein, ça par contre. Et ici, voilà, petite particularité, il y a encore des boutons. Et un bouton, alors je vais vous montrer. Alors, on a des petits toits en haut. On en a un à l'avant, un à l'arrière. C'est une trois portes, nickel. Attention, faut que tu restes appuyé. Hop, et si tu fais encore, ça ouvre complètement. Ah oui, il faut appuyer. Voilà. Et il pleut, c'est génial. Et là, c'est interdit GPL. Mais là, vous allez voir, abonnez-vous dans quelques secondes. Ouh. Voilà. Je savais pas comment réagir. Moi j'aime bien l'intérieur. Ça j'ai un peu de mal à m'habituer quand même. Je pense que c'est gros. Et puis c'est particulier à... Enfin il faut vraiment suivre le... Ouais c'est ça. Mais du coup le fait de voir le kilométrage ici, j'ai pas eu le réflexe de regarder ici alors qu'on peut le voir là.
là je roule à 0 km/h parce que je roule pas. Ah oui, c'est numérique, j'avais pas vu. Et oui, et oui, oui, oui. En fait, c'est un mélange de numérique et de archi pas numérique en plastique. C'est bon. Niveau confort, les sièges sont un peu durs. Mais c'est vrai que j'ai pas fait trop gaffe, mais c'est pas désagréable en fait. Oui, c'est ça en fait. Ça englobe un peu sur les côtés, c'est agréable. Déjà, ils sont en cuir en plus. Alors ouais, ce que je disais, c'est que les suspensions sont un peu raides, je trouve, comparé à la Mustang où c'est un peu plus souple. Mais après, c'est des voitures qui sont dites sportives. Ouais, Mini Cooper S, ça veut dire que c'est la version sportive. Oui, je pense qu'en version non sportive, du coup, c'est le confort. Ouais. Les suspensions auraient été plus confortables du coup. Je pense que ça doit être la particularité de Pouette. La particularité de la voiture. Niveau visibilité, moi je vois bien, mais il y a juste le rétroviseur interne qui me gêne. Le central ? Lui le central il me gêne. Les petits rétroviseurs je vois bien. Ah, c'est vrai qu'ils sont assez petits, mais ils sont quand même pas mal. Moi je trouve ça sympa aussi d'avoir les toits en verre. Bon, c'est des toits ouvrants, mais ça c'est juste histoire d'avoir un peu d'air. Plutôt dans le sens où il y a de la luminosité du coup à l'intérieur de la voiture. Donc ça c'est pas mal. Mais au final, je trouve qu'à l'intérieur, bon sang, mais la place qu'il y a. Il y a de la place, hein ? T'as vu ça ? Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de place. C'est assez spacieux quand même. Ah, c'est bon. Attends, attends. Ah quand même hein. Ah oui, faut appuyer. Faut appuyer, si t'appuies pas ça roule normal. Comme une petite citadine. Si t'appuies fort, ça part. Par contre niveau bruit c'est pas ça, ça fait pas bon. Je suis un peu déçue à ce niveau là quand même. Je m'attendais que ça fasse un petit peu de bruit. Au niveau du pot d'échappement à l'extérieur, ça fait un bruit sympa. Mais on l'entend pas à l'intérieur. Peut-être une bonne insonorisation hein. Après c'est vrai que à l'oreille, quand on dit que c'est une voiture sportive, à chaque fois on s'attend à avoir un gros bruit de moteur, on s'attend à avoir un bruit au niveau du pot d'échappement. Bah, au final, ça dépend du nombre de chevaux et aussi du couple moteur et de l'échappement, de la ligne d'échappement de la voiture. Cette voiture, elle a un silencieux qui a été coupé, donc on entend quand même un petit peu le bruit d'échappement, mais c'est plus quand on est à l'extérieur. Quand on est à l'intérieur, on n'entend rien. Mais après, 175 chevaux, j'ai envie de dire, c'est normal. C'est pas une grosse voiture comme la Mustang qu'on a testée lundi. Oui, ou une Audi RS3 à 400 chevaux par exemple. C'est ça, on est à un level différent. On est à un level différent. Mais un level un peu plus quotidien. J'ai envie de dire, on peut se faire plaisir avec cette voiture. Ah bien sûr, puis rien que pour sa bouille en fait. Ah oui. C'est agréable de conduire ce truc là. Il y a un truc que j'apprécie vraiment pas avec la voiture. Ah. Les suspensions justement sont tellement raides. Quand tu te prends un nid de poule, la voiture se barre sur le côté. C'est un coup. Ah, si tu maîtrises pas la voiture, bah que tu te foutes dans un mur. Si tu rattrapes pas, on va dire, hein, si tu rattrapes pas. Bon, après, ça va, c'est pas ouf non plus, faut pas abuser. Mais vraiment, les routes cabossées pour une Mini, c'est... Oh, le caillou, là ! Alors, premier ressenti, les portes sont lourdes. Ah, oui, elles sont lourdes. Ah, j'ai pas parlé de la souplesse du volant, toi, tu trouves comment ? C'est-à-dire la souplesse, comment il réagit ? Ouais, il réagit très très bien. Le volant est tout... Parce que peut-être t'as des volants qui sont durs, hein. Bah, le volant de ma Sandero par exemple est dur, la Sandero 2, et c'est vrai que proportionnellement, franchement il est agréable, mais c'est pas non plus le volant que tu vas tourner avec un seul doigt quoi. C'est ça. Tu vas pas le tourner d'un seul doigt, mais d'un autre côté, miaou, miaou, miaou. C'est trop bien, pardon. J'ai fait une fixette dessus, de toute façon vous le savez, c'est la C3. La Citroën C3, le volant avec le petit doigt, hein, ça tourne. Allez voir cette vidéo d'ailleurs, elle est super. En fait, t'as un seuil dans cette voiture à une certaine vitesse. Tu sens pas qu'il y a 175 chevaux sous le moteur avec injection directe et turbo. Et au bout d'un certain seuil, en fait, tu commences à entendre le bruit du moteur et de l'échappement. Mais vraiment, faut oui, c'est y aller ça. Fort, quoi. C'est ce que je me disais tout à l'heure, faut y aller fort. Mais tu te fais quand même plaisir avec. Ou pas. Oh, oh, oh. Elle part un peu quand même. Ah ouais. Niveau frein, elle freine fort. C'est franchement c'est raisonnable. C'est ni trop ni pas assez.
Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo aujourd'hui. J'espère que celle-ci vous a plu. Caro, qu'est-ce que tu en as pensé de cette magnifique voiture? Bah, elle correspond bien à l'image qu'on se fait de la Mini, en fait. Hein. Très belle image. Compact, et puis le design toujours aussi incroyable. Franchement, c'est génial. Donc, du positif. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et partager. Salut, salut!